Hey, welcome, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de mots interrogatifs, pronoms interrogatifs. Donc tu auras toutes les informations nécessaires si tu veux faire une petite piqûre de rappel révision sur les mots interrogatifs au long de découvrir à nouveau. Mais avant que je décortique tout cela, tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu cliques en bas et tu peux récupérer ton kit complet gratuit pour apprendre à parler anglais. Tu cliques sur le lien, tu mets ton email, ton prénom et je t'envoie tout ça en quelques secondes. So I'm Derek and I'm your online English teacher who is Scottish. Je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Donc, on revient sur notre thématique du jour. Pas mal de personnes ont dit ah, les mots interrogatifs, c'est pas clair, j'ai besoin d'une réexplication. Donc je vais le faire, comme ça tu les auras enfin pour toi. Alors, où est-ce qu'ils se placent? En général, alors, les mots interrogatifs ils peuvent se placer à plusieurs endroits dans la phrase. Au début, au milieu, là en fait on va surtout garder en tête qu'ils vont se placer devant pour poser une question. Alors, en anglais ça s'appelle les WH questions parce qu'en fait c'est des mots qui commencent par WH ou par H. Et donc c'est des questions en fait qu'on appelle des questions ouvertes parce qu'on a oublié de donner une information en réponse. On ne répond pas par oui ou non, on donne une information. Donc les WH questions sont des questions ouvertes. À ne pas confondre avec question fermée, les yes, no questions. Alors, on a le premier mot qui est what, pour demander, en fait, quoi. On veut une information sur quelque chose, un objet, ou en fait, on veut savoir quelque chose. Why, en fait, c'est un mot interrogatif pour demander pourquoi. À ne pas confondre avec what for. What for, c'est un mot interrogatif avec for, c'est dans quel but. Ok, donc why c'est pourquoi, la raison. What for c'est dans quel but. C'est pas tout à fait pareil. Where c'est où. À ne pas confondre avec who qui est qui. Donc where c'est où, un lieu. Who c'est qui. Ok, donc c'est une personne. Alors avec how. How c'est comment. Seul. C'est comment. How. Alors attention. How. C'est le même son qu'on a dans house ou mouse. D'accord. How. Comme si tu avais mal, tu dis « ow ». Tu peux dire « I », mais tu dis « ow ». On dit peut-être même pas « ow ». Toujours utile. Ça se dit « how », avec un bon « h ». Donc, on a « how many », c'est pour combien. « How much », c'est pour combien. Je vois la différence après. « How long », c'est pour une longueur. « How big », pour une taille. « How far », pour une distance. « How old », pour un âge. À la différence entre « many » et « much ». Alors, « how many », c'est quand on veut dire « combien ». Mais qu'on peut compter. Par exemple, si jamais je suis dans un bus et je vois un nombre de places, je vais pouvoir dire how many seats. How many? Parce que je pourrais très bien rapporter un nombre à la fin de la question. Il y en a 52. There are 52 seats. Donc how many, c'est quand c'est comptable. How much, c'est quand on veut parler d'une quantité qu'on ne peut pas compter. Et pour en fait la compter, on est obligé de mettre de la classifier. Par exemple, de l'eau. How much water? On ne peut pas dire il y a 2 eaux, il y a 3 eaux. On est obligé après de faire appel à des litres. Il y a 3 litres d'eau. Donc, how much, c'est qu'on veut dire combien, mais on ne peut pas compter. Okay? Which, c'est pour dire lequel, quand on a une idée de choix. Et when, c'est quand on veut dire quand. Okay? Donc, j'ai mis quelques phrases. Je vais te laisser peut-être faire pause dans quelques secondes pour essayer de voir si tu réussis à remplir par le mot ou les mots interrogatifs qui conviennent pour réussir. La première, je vais les lire. Pendant cela, tu réfléchis. Hein. People are there. Number 2, is he coming back? Number 3, are you? Number 4, are you again? Did you grow up? Will you know? Is your name? City is better. New York or LA? Alors, est-ce que tu vois les quels tu connaîtrais? Alors, il est important de cerner en fait quelle est l'information qui est cherchée. Quand on sait l'information qui est cherchée, on va pouvoir réussir à mettre le mot qui convient. Alors, le premier, people are there. Alors, c'est en deux. Donc là, on a le choix. Hein. On pourrait what four people are there, how many, how much, how long, how big, how far, how old, how old people are there, how many. Alors, vu qu'on peut compter les gens, ce sera bien how. Je rappelle la prononciation hyper importante. How many, how. Is he coming back? Et là, c'est when is he coming back? On peut aussi avoir why is he coming back? Donc on demande quand est-ce qu'il revient ou pourquoi est-ce qu'il revient. Ensuite, what are you? Ce pourrait être possible, mais là c'est plutôt la question connue. How are you? Pour comment vas-tu? Ensuite, on va avoir
en village, how old are you? How old are you? Did you grow up? Et là, ça va être intéressant. Ce sera... On cherche un lieu. When? Where? Where did you grow up? To grow up, c'est le fait de grandir. Donc, how are you? Comment tu vas? How old are you? Ton âge? When is he coming back? Quand est-ce qu'il revient? Why is he coming back? Pourquoi est-ce qu'il revient? How many people are there? Combien de personnes y a-t-il? Will you know? Le plus logique ici, c'est de mettre when will you know? Quand est-ce que tu vas savoir? When will you know? Celle-ci, tu l'aurais dû la trouver. What's your name? Alors, on peut contracter comme ça. What's your name? Et dernièrement, city is better, New York or LA. Étant donné qu'on a une idée de choix, ce sera bien. Which city is better? New York or LA? Donc voilà, voilà. Un dernier petit rappel sur l'ordre des mots. Tu as donc ton mot interrogatif ou les deux mots interrogatifs. Derrière, tu auras ton auxiliaire. D'accord? Tu auras ton auxiliaire. Si jamais c'est le verbe être servira d'auxiliaire. C'est pour ça qu'il arrive là. Ok? Donc tu as ton auxiliaire ou ton modal auxiliaire d'auxiliarité qui est là, un modal. Et derrière, tu as ton sujet, donc aux, sujet, verbe. Et en fait, c'est ça l'ordre. Mot interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe. Et puis après, tu auras des compléments, si jamais il y en a. Voilà, voilà. Dis-moi ce que tu en penses en dessous, si jamais c'est une redécouverte, si jamais tu aimes beaucoup, si jamais c'est assez complet, tu peux me laisser un commentaire, un pouce, partager sur Facebook, YouTube, sur Google+, sur Twitter. Et bien sûr, t'abonner et repartir avec mon guide complet et gratuit pour parler anglais. I'll talk to you very soon. It was Derek, your online English teacher who is Scottish. See ya!